Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers téléspectateurs, bienvenue à votre espace santé et bien-être. Nous nous intéressons aujourd'hui au diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, qu'est-ce que c'est? Quels sont les signes de cette maladie, les causes et quels traitements? Autant de questions que nous allons dans quelques instants soumettre à notre consultant, Dr Traoré Mouri, je rappelle, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Voilà, nous allons commencer, hein, comme d'habitude, à définir hein, le diabète gestationnel ou encore appelé le diabète chez la femme enceinte. Qu'est-ce que c'est? Bien, le diabète gestationnel, je dirais que c'est un état d'intolérance au glucose à une période donnée de la grossesse, notamment entre la 24e semaine d'aménorrhée et la 28e semaine d'aménorrhée. Je vais dire autour de 6-7 mois par là, la femme va présenter cet état d'intolérance au glucose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant cette période-là, la femme aura une tendance à avoir une hyperglycémie, d'accord? Une hyperglycémie et l'insuline ne sera pas, l'insuline sécrétée par son organisme ne sera pas vraiment en mesure de pouvoir stabiliser, de pouvoir réguler cette hyperglycémie-là. Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant donc, cette définition liée tout simplement au fait que pendant la grossesse, il y a une modification de l'état physiologique de la femme et qui va entraîner donc cette élévation de glycémie et bien sûr à une période bien donnée. Pourquoi une période bien donnée? Parce que la femme, lorsque elle sera en grossesse, on sera amené à faire chez elle une glycémie à jeun dans le cadre du bilan prénatal. Et s'il s'avère que cette glycémie à jeun est déjà supérieure à 1,26 g, ça veut dire qu'il y a un diabète déjà qui est là et donc la grossesse vient se greffer à cette grossesse-là. Et donc, ça ne rentre pas dans le cadre de la définition du diabète gestationnel. Qui est donc occasionnel, lié à l'état de grossesse. Qui est lié à l'état de grossesse. Et ce diabète gestationnel-là, après la grossesse, peut disparaître. Ou bien, chez certaines femmes, bon, peut aussi rester. Je crois qu'on va rentrer dans toutes ces explications. On y viendra, Inch'Allah. Voilà, juste temps pour nous d'aborder la question des signes. Comment reconnaît-on d'une femme enceinte qu'elle a un diabète gestationnel? Voilà. En fait, dans le cas du diabète gestationnel, on ne pourrait pas parler vraiment de signes au sens propre du terme. Parce que pour parler de signes, cela veut dire qu'il y a déjà un diabète qui existe avec le syndrome cardinal dont nous avons décrit dans nos émissions passées. Mais dans ce cas précis, il y a ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale. C'est un examen qui est fait chez la femme qui permet déjà très tôt de dépister ce diabète gestationnel-là, voire même de diagnostiquer ce diabète gestationnel. Maintenant, quel est le test d'hyperglycémie provoqué par voie orale? Il s'agit donc d'un examen qui va coupler la prise de glycémie. Notamment, la femme va prendre 75 g de glucose anhydre. Et j'ai dit à H0, à la première heure, je vais dire à H0, on va faire une prise de glycémie après consommation donc de cette quantité de glucose. Et à la première heure, on fera un contrôle. À la deuxième heure, on fera un contrôle, voire même à la troisième heure. Et à toutes ces heures, va correspondre des glycémies. Et le diagnostic sera fait en fonction donc de ces glycémies élevées dans le cadre du diabète gestationnel. On va voir comment ce taux de sucre se comporte, comment le sucre consommé se comporte, ou comment l'organisme traite. Oui, comment l'organisme réagit. Je dirais, à la consommation du glucose anhydre. Mais cet examen n'est pas dangereux pour Non, cet examen n'est pas dangereux. Est-ce qu'il est sous surveillance? Non seulement ça doit se faire en milieu hospitalier, et il va se faire sous surveillance. C'est le principe, en tout cas, il est très simple. La femme va consommer les 75 g de glucose anhydre et à H0, on fera le premier prélèvement.
Et ce premier prélèvement, il faudrait que, pour parler de diabète gestationnel, il faudrait que cette glycémie soit supérieure à 0,92 g par litre, selon l'OMS, selon la Société américaine de diabétologie, et selon, il y a un groupe de travail international sur diabète et grossesse qui définit déjà à H0, qui nous permet de poser ce diagnostic à H0, où cette glycémie, cette hyperglycémie va se présenter comme suit, supérieure ou égale à 0,92 g par litre. Et à H1, cette hyperglycémie sera donc supérieure à, je dirais, 1,80 g par litre. Et à H2, c'est-à-dire 2 heures après, cette hyperglycémie sera supérieure à, je dirais, 1,53 g par litre. Dans certains ouvrages, c'est strictement supérieur. Dans d'autres aussi, c'est supérieur ou égal. Mais c'est de retenir que déjà à H0, cette hyperglycémie provoquée par voie orale est supérieure ou égale à 0,92. À H1, à 1,80. Et à H2, 1,53. Ça veut dire que c'est là qu'on va poser le diagnostic de diabète gestationnel à une période précise, 24e et 28e semaine d'aménorrhée. D'accord. Alors, il y a certainement des facteurs qui peuvent expliquer le diabète gestationnel, parce que si nous prenons plusieurs femmes, elles ne vont pas toutes, plusieurs femmes enceintes, elles ne vont pas toutes présenter les cas de diabète. Justement, il y a des facteurs qui, je dirais, peuvent expliquer la survenue du diabète gestationnel. Entre autres, la multiparité, c'est-à-dire qu'une femme qui aura eu plusieurs enfants, ce qui est le cas vraiment de nos femmes africaines, elles ont déjà, surtout nos mamans, elles ont déjà plusieurs enfants, ça peut être un risque de faire un diabète gestationnel. L'obésité peut aussi être un facteur de risque, donc, de faire un diabète gestationnel. Également, les femmes chez lesquelles, dans la famille, il y a une notion de diabète gestationnel. Il y a une notion de diabète de type 2. Quand il y a une notion de diabète de type 2 dans une famille, notamment les femmes issues de ces familles-là, sont déjà prédisposées, peuvent faire aussi un diabète gestationnel. Il y a également des femmes qui, dans leur antécédent, ont fait un diabète gestationnel. D'accord? Antécédent, parce qu'on parle d'antécédent ici, c'est des situations qui peuvent arriver. Et puis, dans le cadre du diabète gestationnel, juste après la grossesse, le diabète peut disparaître. Et il y a certaines femmes qui, malheureusement, peuvent courir le risque de faire un vrai diabète. Je dis, quand j'ai dit un vrai diabète, un diabète de type 2 qui va survenir. Et donc, pour dire que c'est des situations qui peuvent arriver au cours de la grossesse, juste dû à cette modification physiologique sur la femme. Et après, ce diabète-là peut disparaître. Ça, c'est le diabète gestationnel. Absolument, c'est bien noté. Et puis donc, nous parlons de la prise en charge. Déjà, c'est un environnement assez délicat. C'est un état délicat, état de grossesse. Ce n'est pas toujours facile. Vous avez parlé de tout ce chamboulement au niveau de l'organisme. Comment cette prise en charge doit se faire pour que le diabète gestationnel vraiment soit seulement pendant cette période et disparaisse après? Oui, en fait, c'est une question tellement intéressante qu'il faut véritablement en discuter. Et en discuter, il faut voir deux axes pour ce qui concerne la prise en charge. D'abord, les femmes sujets à risque qu'on a évoqué tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure, la multiparité, l'obésité, le diabète de type 2 dans la famille, d'accord? Déjà, lorsqu'on appartient à ce groupe, il faut appliquer les mesures, il faut mettre en exergue cette modification de notre mode de vie. Qu'est-ce que je vais dire par là? Faire attention toujours à tout ce qui est trop gras, tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop sucré, tout ce qui peut concourir à nous faire prendre du poids. Il faut déjà faire attention à cela. Il faut avoir de l'exercice physique dans sa façon de faire les choses. Tous les jours, 30 minutes, faire bouger le corps,
voilà, faire le tour du jardin, faire le tour de la cité, hein, de sorte à pouvoir se mettre à l'abri vraiment. Tout en faisant attention, elle est dans un état de grossesse. Oui, en fait, dans un état de grossesse, on fera attention, on est dans un état de grossesse. Mais moi-même, je dirais, je vais plus loin. Bien avant même que cette grossesse ne s'installe, avoir à l'esprit que je suis sujet à risque, voilà comment je me comporte sur le plan nutritionnel. Et ensuite, si d'aventure le diagnostic du diabète gestationnel est fait, la prise en charge doit s'en suivre. Ça veut dire que le médecin a fait le diagnostic. Le médecin va utiliser encore certains outils pour bien monitorer ces glycémies-là qui souvent vont aller de façon croissante parce que plus la grossesse va évoluer, les besoins sur le plan nutritionnel vont augmenter et il y aura tout un changement hormonal qui va se faire également chez la femme qui peut impliquer également des élévations de glycémie qu'il va falloir gérer. Et donc, on peut être amené chez cette femme-là de faire une insulinothérapie, de pouvoir éviter l'insulinothérapie avec pour objectif d'éviter que la glycémie ne monte jusqu'à un certain seuil chez cette femme. Et cela à travers vraiment un suivi qui sera vraiment très rigoureux. Et le suivi va nous imposer à faire vraiment régulièrement certaines glycémies chez la femme, aussi bien à jeun, 2 heures après les repas, nous serons amenés à faire des glycémies, de voir un peu comment les apports nutritionnels agissent sur cette glycémie, comment l'organisme même provoque cette élévation de glycémie de sorte à pouvoir maîtriser les élévations de glycémie avec des objectifs vraiment précis pour, je dirais, chaque femme selon le morphotype de la femme. Parce qu'il peut arriver que la femme soit obèse, il peut arriver que, que la femme soit une morphologie normale. Il faut pouvoir tenir compte de tout ça pour pouvoir mieux gérer cette situation. C'est pourquoi d'ailleurs il faut se rendre chez des spécialistes comme vous qui est très informé sur la question. Docteur, est-ce qu'on pourrait établir un lien entre le diabète chez la femme enceinte et la santé du futur bébé? Bien, on peut établir effectivement un lien entre le diabète et la santé du futur bébé. Et là, je pense qu'il serait plus intéressant même de parler un peu des complications liées à ce diabète gestationnel, si ce diabète gestationnel n'est pas bien maîtrisé. Et donc, après, le lien va certainement venir. Je pense que si je n'oublie pas, il faudra me rappeler. Inch'Allah. Maintenant, pour ce qui est des complications, c'est-à-dire quand le diabète gestationnel n'est pas bien maîtrisé, il peut arriver que, d'abord chez la mère, que la mère fasse une hypertension gravidique, c'est-à-dire une hypertension sur sa grossesse, il peut arriver que cette femme puisse présenter ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance. C'est une situation qui peut arriver lorsque on fait un diabète gestationnel qui n'est pas bien maîtrisé, une prééclampsie, tout ça, la femme peut le faire. Chez le fœtus, il peut arriver que le fœtus soit grossi. Ça, c'est un élément important. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la dystocie de l'épaule. C'est-à-dire que ce fœtus-là peut avoir des difficultés à dégager son épaule. Voilà. Donc, ça, c'est des situations qui arrivent. Mais dire qu'on fait un diabète gestationnel, on a un gros bébé et que le bébé va devenir diabétique systématiquement, je dis non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est un enfant qui peut être, je dirais, gros, mais rien n'est dit qu'il sera forcément un diabétique. Pourquoi je dis ça? Il est gros. Il a même une tendance à avoir des hypoglycémies. D'accord? Et donc, si cet enfant, pendant sa croissance, est bien géré, et il fait attention aux mesures d'hygiène qu'on a dit sur le plan alimentaire, sur le plan physique, cet enfant peut faire sa vie sans être diabétique. C'est ce que je peux dire au moment qu'on fait un diabète gestationnel et de les rassurer que c'est des situations bien gérables. Merci infiniment. Docteur Traoré Mori, je rappelle, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, présent sur ce plateau pour nous informer sur le diabète gestationnel, tout en espérant que vous avez tiré le maximum d'informations sur ce thème. Nous nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous vous donnons ce rendez-vous la semaine prochaine pour débattre sur un autre sujet. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.
bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci encore une fois, docteur. Merci beaucoup. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.